président Jovenel Mission Justice et Sécurité publique Sénat, M. Jawinel Senatus, président Chambre député à Garibodo, ministre Justice là, M. Jean-Rudy Ali. Plusieurs représentants, corps diplomatique à consulaire, représentants organisation droit moun, cadre et professionnel système judiciaire, t'es participé dans la cérémonie ça. Nouveau conseil ça, gagne un mandat 3 l'année. Nous invitons à suivre un reportage avec Falande Delphine. Respecter constitution, loyaux et règlement république là, veiller sur fonctionnement régulier pouvoir judiciaire et protéger droit justiciable, c'est seulement ça. 9 membres 3e judiciature ont été faits en présence chef l'État Jovenel Moïse. Nouveau conseil là, Geladol, magistrat Louis Pressoir Jean-Pierre, vice-président, magistrat René Sylvestre, membre, magistrat Durin Junior Durin, représentant cour d'appel yo, maître Noé Pierre-Louis Massignon, représentant tribunal première instance, maître Clamé Oknam Damérus, représentant ministère justice et sécurité publique, maître Nader Désir, qui représentait tribunal de paix, maître Chénel Jean-Baptiste, qui désigné par protecteur citoyen, représentait société civile là, et maître Chesnel Fislovi, qui représentait fédération Bao d'Haïti. Président CSPJA, magistrat Jules Cantave, dans l'occasion, dit nouveau conseil après le travail pour renforcer et puis accélérer la lutte contre la corruption, yo, appliquer politique égalité femmes et garçons et puis mettre campé l'autre perspective cap favorable pour un bon fonctionnement appareil judiciaire. Pour ça, M. Gilles Cantave, qui parti pour un autre mandat dans tête CSPJA, énumère ça y a bien besoin pour atteindre l'objectif ça. Petit A, s'assurer de les demandants du pouvoir judiciaire. Petit B, avoir une chaîne pénale efficace et respectueuse de la dignité humaine. Petit C, rendre les services publics de la justice proches des citoyennes et citoyens. Petit D, continuer avec beaucoup plus de détermination la lutte contre la corruption des juges, tout en exigeant des meilleures conditions de travail pour eux. Petit E, combattre avec force et énergie pour la défense des droits de l'homme, qu'il serait impossible de trouver les résultats escomptés. Sans l'accompagnement des institutions et associations locales et nationales, sans des études évaluatives des travaux et des tribunaux et des juges, sans des mécanismes de protection des droits de l'homme, comme renforcement des compétences dans le domaine, inspection des institutions et recommandations. Pour président commission justice Sénat, M. Jean-Renel Senatus, l'innécessaire pour conseil à travail sur renouvellement mandat magistrat, yo, nécessité pour bail commissaire gouvernement yo mandat, améliorer conditions travail magistrat yo, pour rendre système judiciaire indépendant tout bon frais. Je dis à pays a besoin de justice qui est capable de lever dans la boue côté lié. C'est parole là qui dit la justice élève une nation. Magistrat, c'est lorsque nous faisons travail, nous, mon cap fait politique dans le pays, suspend gaspiller l'argent de l'État, parce qu'il y a connu, il y a battu chien, mais il y a plein de lui. Nouveau conseil CSPJA, président Lambert a demandé pour me dire, l'État remet que nous mettons principes gestion en application dans CSPJA. Pour un dans cabinet d'instruction, dossier aussi suspend fait 4, 5, 10 ans sans que pas ordonnance sur yo. Président Lambert m'a demandé pour me dire, il t'a remis apprendre que juge vient travailler parce que lui-même la bataille pour tout sénateur vient travailler en dans Sénat parce que le pays a tant de services publics dans le tout. Président Jovenel Moïse, avant signature procès-verbal cérémonie, si là, dit li paré pour travailler dans tête collée avec pouvoir judiciaire pour renforcer l'État. Il y a beaucoup de réformes à faire. Au niveau de l'exécutif, nous sommes prêts. Je sais qu'entre le CSPJ et l'exécutif, il y a eu des travaux. Je veux parler du contrat-plan. Je ne sais pas, je n'ai pas encore de rapport sur le contrat-plan. Entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, parce que comme le représentant du président du Sénat vient de le dire, il y a beaucoup de problèmes en termes de logistique, d'accompagnement, des avantages sociaux
pour les juges, il y a beaucoup de problèmes. Nous autres, au niveau de l'exécutif, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le pouvoir judiciaire. Parce que il n'y aura pas de développement. Il ne peut y avoir de développement sans un pouvoir judiciaire fort et indépendant. Si dans l'État, nous avons parlé de bataille contre la corruption, mais sans une justice capable d'aider nous faire bataille, ça, le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Le pays n'a pas capable encore. Je dis à nous, dans le pays d'Haïti, moi parle, dialogue sans hypocrisie. Président, quand on a une conversation que nous avons déjà, oui, pouvoir judiciaire est indépendant, pouvoir exécutif est indépendant, pouvoir législatif là même pire, indépendant, c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Mais je vous dis, pour nous, nous n'avons pas la colotte. Pour nous garder comment toi pouvoir ça, pour nous garder chaque élément qui vivent à l'intérieur de pouvoir ça, comment ils vivent. Comment un député a vivre, comment un juge a vivre. Comment un directeur général a vivre, comment un juge a vivre. Comment un ministre a vivre, comment un juge a vivre. Conseil supérieur pouvoir judiciaire, c'est un dans trois pouvoirs l'État. L'établi 3 juillet 2012 sous administration président Martelly avec responsabilité pour gérer, contrôler, administrer la justice et assurer discipline magistrale dans l'appareil. Loi sa yo te publié 20 décembre 2007. Merci Falland ak Watson. L'autre information dans le journal là, directeur général entreprise publique promotion logement sociaux EPPLS Yvon Buisrette présenté lundi 2 juillet un bilan travail en tête institution ça sorti 29 mars 2017 rivé lundi 2 juillet 2018 là. Pendant intervention dans cadre conférence chaque semaine lundi de la presse ministère communication organisé les faits qu'on est EPPLS gagne 2000 logements qui en construction dans grand site pays parmi eux 220 presque fini dans département nord-est et spécialement dans Wanamètre responsable EPPLS yo déjà remettre population en 420 cailles d'après explication directeur général EPPLS là l'invite au suivant extrait dans micro Lionel Jean-Louis pendant période de l'EPPLS là, de mars 2017 à nos jours, il y a un pile de travail qui fait, surtout dans la politique du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des peuples haïtiens dans les affaires logement social. Nous avons par exemple en péninsule sud là, 2000 logements en construction. Et parmi 2000 là, il y a 250, 220 qui presque terminé. Nous installer un réservoir de 10 000 gallons dans le village Kalakokai qui a desservi 100 familles. Nous faisons curage de 450 mètres linéaires dans la cité EPPLS Okai que nous avons 3 villages là-dedans. Dans le département nord-est, Wanamètre Rouge, nous faisons livraison de 424 logements à la population. Dans le département Grand-Est, dans le département sud, département NIP, nous ouvrons déjà un bureau départemental qui pour permettre la mise en application du projet logement gagné pour la péninsule sud là, toujours. Dans le village Kalakokai, nous réhabilitons le système d'addition d'eau potable, système sanitaire, village qui a desservi sans famille et système qui a été détruit après le passage du cyclone Mathieu. Dans le cadre de caravane, changement qui a été lancé la Grange, 1er mai 2017, et bien sous instruction du président de la République, là, nous avons déjà planifié, projet déjà préparé. Pour construction 350 logements pour les gens qui vivent dans la zone ça, qui ont une situation difficile en matière de logement. Nous avons un avant projet de loi qui va ouvrir le champ d'action EPPLS, qui va permettre EPPLS de gagner une autre loi qui va permettre vraiment
pour le travail, non seulement pour les plus vulnérables, mais pour les jeunes fonctionnaires, jeunes professionnels, qu'elle était dans la fonction publique, qu'elle était dans le privé. Nous déjà élaboré projet déjà pour construction logement pour les familles déplacées à Marion, côté président, travailler déjà en cours déjà pour construction d'un nouveau barrage hydroélectrique pour permettre toujours un cadre programme pour gain courant 24 sur 24 par président de la République. Voilà, c'était explication DG EPPLS là, Yvon Busserette, dans micro Lunel Jean-Louis avec Rémi Godjit. Commission intérieure collectivité territoriale, commission planification à commission économie et finance Sénat, rencontré lundi DJA, Fédération nationale magistrat haïtien FENAM. Discussion et chita sur une série projet Mériogain qui bloqué dans le ministère planification, selon responsable FENAM. Président commission intérieure, sénateur Francenet Denius, promet yo pral chita ak ministère concerné yo dans l'idée pour débloquer projet. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Nous avons pris des décisions sur la question des blocages fonds communaux, que ce soit l'année fiscale 16-17 et 17-18, et nous avons même allé sur 18-19 là, qui ça pour nous fait. Jodi a, nous avons Wally Bon, nous même membres de la commission SAO qui associé nous cette fois-ci à la commission finance là, pour nous inviter FENAM pour nous garder état d'avancement ensemble de décisions que nous prenons. Sous 16-17 là, ils ont informé nous que gagnent seulement 17 sous on dit 140 projets parce que 140 communes et gain fonds qui y avancé sur yo, mais l'autre projet yo processus là li en cours et le niveau Cour supérieure des comptes et le niveau ministère là sous 17-18 pas qu'on gagne rien qui fait d'après ça FENAM dit nous gagne une cinquantaine de projets qui déposés dans planification mais cependant et reste processus là Cour supérieure des comptes ministère finance pas qu'on gagne rien du tout et sous 18-19 c'est là qui est extrêmement important pour nous et commission finance là bon rôle pour jouer là-dedans qui fait en sorte que fonds SAO qui héberge le ministère de planification, mais cette fois-ci, nous et fait météo dans le budget ministère de l'Intérieur. Toujours sous même dossier, président commission planification, sénateur Sorel Yassin dit, il aura fait suivi bon côté ministère planification sous blocage projet Mério. Côté 70 projets, c'est seulement 17 qui débloqués d'après ça le fait qu'on est. Commission intérieure, commission planification à commission finance pour le travail à NESA, dans budget 18-19 là pour mettre fonds collectivité sous compte ministère intérieur. Il extrait toujours dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Sous 110 projets, c'est seulement 17. Mais le problème, là, nous allons arrêter seulement dans le ministère de planification et le ministère finance et intérieur. Nous avons problème dans le cours supérieur des comptes tout. Et c'est dans ce sens ça, nous dit si nous voulons suivre l'hypotonfui pour bagaille accélérer, il faut qu'on rencontre qui fait avec tout ministère ça, y compris institutions comme Cour supérieure des comptes. Donc, nous discuter avec FENAM pour nous voir dans quelle mesure et qui l'a amené à raconter ça pour nous connaître comment suivi ça va le faire. Donc, nous-mêmes, en tant que commission de contrôle, en tant qu'institution de contrôle, donc il est normal pour nous rencontrer à FENAM pour nous demander le côté ça. Lui expliquer nous et laisser ça, nous allons faire notre invitation pour nous voir comment, qui côté vraiment des blocages d'ailleurs et comment pour suivre au fait. L'autre nouvelle, ministère planification à coopération externe à travers unité technologie, information, communication et documentation, organisé séance comité efficacité aide lundi DJA. Réunion s'en fait dans l'idée pour améliorer partenariat entre République d'Haïti et partenaires internationaux. Daline Dorival a dit nous plus dans le reportage. Plusieurs personnalités politiques en de pays, parmi eux, président République là, Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, ministre planification et coopération externe, Métaviole Fleurant,
réuni avec plusieurs partenaires internationaux, côté comité efficacité aide là à travers cadre coordination aide externe pour développement, chita parler sous pi bon façon pour canaliser aide pour développement en de pays ya. Dans l'occasion, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait qu'on est aide publique pour développement, pas arrivé produit résultat et changement, souvent il n'y a pas tant dans le gouvernement. Il convient de dresser le constat que l'aide publique au développement ne produit pas les changements espérés et les résultats attendus au regard d'importants moyens investis au cours de ces dernières années. Au-delà de ce constat, de lourds problèmes à la fois conjoncturels et structurels persistent. Ils sont liés aux conditions d'emploi et à la production nationale qui se révèlent insuffisantes par rapport aux besoins exprimés, notamment par les couches les plus vulnérables de la population. Cette précarité affecte la plupart des régions du pays. Nos faibles moyens face aux besoins énormes exprimés par la population exigent, conformément à la politique générale du gouvernement, une stratégie de rationalisation et la recherche de nouvelles ressources afin de répondre aux grands défis de l'heure. Ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Degère, plaide lui-même tout pour une plus bonne coordination aide pour développement en Haïti, pendant le renouveler engagement pour soutenir l'autorité haïtienne dans la démarche ça. Je souhaite au nom du pays. Ministre planification et coopération externe, M. Aviol Fleurant, explique comment Chita parle entre gouvernement et partenaires internationaux pour faciliter mise en place aide pour développement réalisé. Ministre Aviol Fleurant rappelle quel travail yo fait ensemble dans ce sens. Haïti désormais ligue un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide au développement. Ça veut dire son pays qui décidait pour tourner un pays émergent à l'horizon 2030, et nous connaissons que CEA, elle est présidée par le Premier ministre, avec le ministre Duplan comme vice-président, et le ministre et l'ambassadeur de GR comme vice-président également. Eh bien, nous t'es posé, nous t'es fait bilan de la coopération internationale, bilan des tables sectorielles, bilan des grandes avancées en matière de coopération et d'aide au développement. Et président pays à tout, l'été bail les grands axes du nouveau paradigme de coopération externe, en ce sens que nous demandons à ce que yo utiliser de manière prioritaire les canaux gouvernementaux, les structures gouvernementales, pour que aide la cabine plus efficace, pour le capable aligner sur la déclaration de Paris, pour aide la lier articuler autour des priorités de l'administration politique, et pour le capable joindre tout droit population haïtienne. C'est en ça témoigné une autre fois, GFO administration Moïse à gouvernement Lafontaine a fait pour joindre une plus bonne collaboration avec divers partenaires étrangers. Dans ça qui gagne à ouais à coordination aide externe pour développement pays d'Haïti. Bon côté parle le président de la République là, Jovenel Moïse, pendant l'intervention li dans réunion gouvernement avec partenaires internationaux, rappeler l'état là pour les servir nation, li profiter mandé toute institution yo pour jouer rôle yo pi bien. Dans sens ça, li mandé pour tout projet aide pour développement pays d'Haïti passer dans institution l'état yo dans l'idée pour gagner en gestion qui pi bien faite. N'invite au suivre yon bout dans déclaration dans micro d'Aline Dorival. À travers le ministère de l'Environnement, le ministre qui est là, nous avons lancé un projet, un vaste programme de production de plantules à travers tout le pays. Nous sommes déjà sur 500 germoplastes avec une capacité de 22 500 000 plantules pour ces 5 premiers centres. Et nous avons un programme clair pour arriver à 163 millions de plantules sur les deux prochaines années. Et vous, ici présents dans cette salle, partenaires, le gouvernement haïtien est clair. Nous ne voulons pas de petites pépinières dans le pays. Nous voulons que tous les projets de reboisement passent par le ministère de l'Environnement et tous
les arbres, toutes les plantules qui seront en fait données aux associations, aux écoles dans le pays, soient conçues à l'intérieur de ces centres germoplasmes qui sont les propriétés de l'État. Maintenant, c'est à vous de jouer votre rôle, de dire à vos pays respectifs qu'Haïti dans ce domaine est prêt. Le domaine du reboisement, nous sommes aujourd'hui prêts. Prêts à continuer avec vous pour développer ces centres germoplasmes que nous avons dans le pays. Ils sont 5 en construction maintenant. 2 sont déjà inaugurés. Il va y avoir un autre centre inauguré à la fin du mois de, à la fin de ce mois. Et à l'intérieur de ces centres, nous sommes en train de travailler pour mettre sur pied un laboratoire biotechnologie. Nous avons besoin de votre aide. Je veux parler des ressources humaines et des ressources financières pour mettre sur pied ces laboratoires de biotechnologie qui vont permettre en fait à l'État d'avoir des plantules saines au niveau des grandes plantations, comme cela se fait aujourd'hui dans le nord-est d'Haïti, mais malheureusement, ces plantules viennent de l'extérieur. Nous n'avons pas encore de laboratoire biotechnologie dans le pays. C'est la déclaration en président de la République, là, Jovenel Moïse, dans le cadre de rencontre l'été gagné. Président Commission Économie et Finance Sénat, Jean-Hugo Bélisère, fait qu'on est. Commission l'a dirigé après agiter ensemble pour mettre campé un calendrier pour rencontrer différents secteurs concernés dans le budget rectificatif 2017-2018. Là, dans le cadre d'analyse, il y a bien pour faire sous document. Parlementaire qui pas de vouloir faire commentaire sur le projet loi finance là, promet qu'il y a discuté tout à Commission Finance Chambre députée pour éviter le projet à pas prendre trop de temps. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Webridge. Cette fois, nous souhaitons que nous rencontrions même avec le secteur privé, avec tout acteur, nous connaissons les budgets fin voté qui a discuté, dit qu'il n'y a pas d'accord ou d'accord. Nous voyons Chitara pour nous montrer un calendrier de travail. Et maintenant, nous voyons regarder comment, ensemble avec les autres membres de la commission et même sénateurs, comment ensemble nous voyons Chita pour le plus rapidement possible pour que le budget rectificatif la voté et tout de suite pour nous passer à budget 18-19. L'autre dossier dans le journal là, Chanel Delot, première dauphine Miss International avec Miss Univers 2017. Et puis Davina Bennett, première dauphine Miss Univers avec Miss Jamaïque 2017 là, a visité le pays d'Haïti depuis dimanche 1er juillet. Dans l'occasion, visite yo à lundi 2 juillet en compagnie GL Fine Shoes qui fait soulier et sandales en Haïti. Mesdames, ça vous dit, yo impressionné pour façon yo fabriquer souliers sa yo. Yon reportage ak Anne Marguerite Auguste. Visite ça permet de monsieur garder comment compagnie GL Fan Shoes fabriquer souliers li yo. Yo salue Jifor PDG compagnie ça, ingénieur Jean-Lucien Ligondé a fait pour voyer yon l'autre image sur scène internationale là. Après constat, monsieur dit yo prend engagement pour faire promotion souliers GL Fan Shoes fabriquer yo. De monsieur fait connaître l'important pour marché international là bénéficier produits sa yo qui vraiment de qualité. Seen some very hard working workers. OK, moi un pile bon travail qui a fait là et mon sentiment inspiré tout pour moi tout effort ça yo qu'a fait en résumé. Vraiment parce que tu invité et m'a invité tout le monde tout le même venir en Haïti parce que c'est un bel côté et m'a prend partie en Haïti pour moi aller ensemble avec l'écuration. De voir comment les chaussures sont fabriquées comme tous les gens travaillent et produisent les chaussures. Je crois que des industries comme ça de fabrication doivent être implémentées partout au monde. PDG GL Fan Shoes, ingénieur Jean-Lucien Ligondé, précisé que la compagnie l'a dirigée est capable de bénéficier en pile de visite ça. Surtout dans un moment côté a négocié pour exporter les produits sur le marché international. Lorsque Edavina et Chanel qui viennent de Miss Haïti, avec Miss Haïti tout dans le pays, ça. Il y a une opportunité pour montrer la production nationale. Il y a une opportunité pour inspirer les jeunes qui
qui est dans la factory. Parce que si vous ne savez pas bien ça, que tout ce soleil, il n'y a pas d'opportunité pour vous voir réellement vrai. Là, nous menons au bas. C'est comme si c'était dans le soleil, vite là. Donc, son gros bagadier pour inspiration. Pour tout le monde, c'est le soleil qu'on est. Il y a une Miss Haïti, il y a une Miss World, il y a une Miss Univers, il y a une Miss International. Ouais, c'est là le message là. JL Fancho, c'est une compagnie qui spécialise dans le soulier avec sandales. Il existait depuis 3 ans dans le pays. C'est la première compagnie qui a fabriqué souliers dans le pays qui respectait les normes internationales. Merci Anne et Moïse. Voilà, moment arrivé pour nous prendre une pause dans le journal. Arrêtez branché, Naptonel. Voilà, amis téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous être ensemble. Journal l'arrivé dans le bout de lit. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branché, Télévision Nationale d'Haïti, pour suivre cette programmation. Bon après-midi, tout le monde.